tu aimes chaud, tu aimes bringue. Tu rencontres quelqu'un qui veut te marier, mais lui, il aime Dieu. Il n'aime pas boire de nous. Donc du coup, pour lui, tu te dénatures. Tu fais comme si ça ne te plaît pas. Juste pour aller au mariage. Donc tu commets une infidélité. Quand tu vas rentrer dans le mariage, arrivé à un certain moment, le vide émotionnel que va te créer l'absence de chaud va te rattraper. Et tu vas faire sortir la femme ivrogne qui est en toi. Elle va sortir un coup comme ça. Bim! Le whisky est sorti. Le goût des chats. Et puis on voit la go maintenant. Son mari de faire pasteur. Et puis un coup comme ça, son plein baptême. Je suis déré. Sa vie l'a rattrapé. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ça l'a rattrapé. Ça fait rien, mais ça arrive. Des fois dans les couples, hein. Ça arrive souvent. Des fois, le mari me découvre une autre facette de sa femme. Elle l'a caché. Infidélité. C'est pourquoi, si tu aimes bringuer, faut dire à ton mari en même temps. Si lui-même, il t'aime, là, il peut t'aider. Même si vous avez changé peut-être de musique pour bringuer selon la musique du Seigneur. Mais il sait que sa femme a besoin de ça pour être épanouie. Si elle danse pas, c'est pas bon. Donc, comme il t'aime, lui-même va créer les circonstances des générés. Qui me comprend un peu. Et puis, lui-même, même s'il voulait pas, il peut se forcer parce qu'il t'aime. Donc, du coup, lui-même peut faire un peu des générés. Ça va pas bouger comme pour toi, mais en tout cas, ça va, hein, qui me comprend. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des foyers qu'on ne peut pas rattraper. Parce qu'ils ne sont pas de la même nature et du même genre. Ils n'aiment pas les mêmes choses. Là où le monsieur est épanoui, la femme est ennuyée. Là où elle est ennuyée, lui, il est épanoui. C'est comme un poisson qui a marié un cheval. Vous aimez, mais un vit dans l'eau, l'autre vit sur terre. À quel moment vous allez faire bisous? C'est quand il boit l'eau. Qui me comprend? Donc, ça veut dire que vous allez vous trouver seulement que pour l'intimité, pour sortir ensemble. Mais à part ça, là, vous n'avez rien en commun. De tel foyer, là, c'est l'abattoir. Parce que vous allez beau coucher ensemble, mais arrivé à un certain moment, le foyer va plus loin que sortir ensemble. Donc, ça va vous Donc il y a des foyers qu'on ne peut pas rattraper. On peut prier pour que Dieu vous aide à vous éloigner. On ne peut pas. Parce que vous n'êtes pas de la même nature. Vous ne collez pas. Adam dit, elle est sortie de moi. Donc c'est une autre version de moi. C'est la continuité de ma personne. L'autre version de toi, là, quand tu es malo, elle est malo au carré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voleur là, il est voleur et puis il a sa femme. Il vole là, c'est sa moitié, c'est où on cache. Quand tu trouves ta moitié là, peu importe le travail que tu fais, la moitié est adaptée à ça. Même si t'es une petite fille de boss, elle va te suivre dedans parce que c'est son truc, tu es ta moitié. C'est pourquoi il y a des enfants là, papa l'éduque bien, mais il y a une version d'elle qui sort là. Mon ami, c'est pas rattaché à l'éducation, c'est rattaché à qui elle est la moitié. De qui elle est la moitié. Aïe aïe aïe. C'est pas des choses que l'éducation peut changer. C'est pas possible. Éduque ton enfant comme tu veux. Envoie-le à l'église, il va chanter. Il va prier tout si ça, Dieu, ça va le rattraper. Donc il y a des foyers, on ne peut pas rattraper. Il ne faut pas que je vous montre pour dire en prophétiser. Je ne peux pas prophétiser pour que le cheval devienne poisson. Ce n'est pas possible. Tu as créé tout le monde selon son genre et selon son espèce. C'est à toi de laisser. Tu penses Adam quand il laissait la guenon aller embrasser le gorille, tu penses qu'il n'était pas fâché? Il avait goumé parce qu'il n'a vu personne que lui va embrasser. Donc il est assis dans le jardin, lui-même son propre jardin, tout le monde s'embrasse. Lui n'embrasse personne. Ce jour-là, j'ai vu Adam prendre sa main puis faire ça. Dieu dit à Adam, il y a quoi? Il dit, Seigneur, il n'est pas bon, sinon tu vas te bolo ici, petit. Je vais t'envoyer une femme qui me comprend. Adam allait se masturber, les amis. Parce que tout le monde s'aimait bien dans le jardin. Qui me comprend? Donc, c'est pour te dire que quand vous n'êtes pas du même genre, ça ne peut pas coller. C'est la personne va marcher avec toi jusqu'à un certain moment, tu sens que quelque chose vous éloigne, puis il va te quitter sans que tu ne saches pourquoi. Et c'est deux fois la base de beaucoup de déceptions amoureuses. Adam a côtoyé la jument, mais après, la jument s'est rendue compte que Adam est beau, hein, mais c'est le cheval qui préfère. Parce que Adam n'a pas la taille du cheval, qui je reprends. Quelqu'un n'a pas compris. Je reprends. Dis avec moi la reprise. Adam, tu es jolie. Kikinette. Elle a ses chevals. Il y a des femmes là, elle ne peut pas rester toi. Parce que sa configuration même n'est pas étroite. Qui c'est qu'il y en a comme ça? Sa configuration de façon naturelle. Elle va mettre Jeka, elle va tout mettre Kaolet. Tout ce qu'il y a dit, il connaît. Oh, papa, il y a pression. J'ai dit, je reprends. Dis pas ça, reprends-moi ça. Mais avant de prêcher sur le coup pour faire des recherches, les amis, elle va tout mettre. Ça peut être rétréci, mais ça ne va pas rétrécir jusqu'à la taille d'Adam. Ça va rétrécir jusqu'à la taille du cheval. Qui me comprend? Et si ce n'est pas le cheval qui s'introduit, personne n'est rentré. Le message est fort. Qui me comprend? Parce que vous n'êtes pas compatible. Donc mon ami, tu vas tout faire. Si tu faut te jouer le super athlète, tu vas jamais la satisfaire. Une femme que tu n'arrives pas à satisfaire, mon ami, tu es foutu. C'est la femme du voisin. Aïe! Même si elle te dit non, mon chéri, je t'ai jamais trompé. Elle t'a déjà trompé dans sa tête. En esprit, elle s'est déjà souvenue de quelqu'un qui est un cheval. Aïe! Tu vois comment elle avait osé qu'elle était jument. Je reprends. Tu penses qu'elle a fait comment pour savoir qu'elle est jument? C'est parce que le cheval est déjà rentré. Quand tu dis à ton mari, tu ne sais pas embrasser, comment tu fais pour savoir qui ne sait pas embrasser? Je reprends. Dis avec moi, la reprise.
Chérie, tu ne sais pas embrasser. Bon, qui t'a embrassé? Et puis tu sais comment on ne sait pas embrasser. C'est dangereux, hein, ce que je vous dirais. C'est ça qui gâte le foyer. Les gens ne sont pas francs. Tu sens qu'on n'est pas du même genre, mais pour sauver ton honneur, pour ne plus être célibataire, tu rentres dedans. Pourquoi te vous tuer? Il y a des foyers, on ne peut pas rattraper. Ça, il faut que je vous dise la réalité. La seule manière, c'est de prier pour qu'ils se séparent. Écoute, ça choque un chrétien traditionnel, mais c'est quelqu'un qui est réaliste, qui comprend ce que je te le dis. Je dis, lui, il va comprendre. Parce qu'il y a des choses intimes là. La Bible ne peut pas venir séparer ça. Et il faut laisser la Bible, pardon. Même le pasteur lui-même, des fois, il se met à genoux. Chérie, pardon, de mes coups. Attends. Chérie, toi, tu pries, non? Laisse prier. Ici, là, aucune prière n'aura lieu. Dieu même rentre pas dans ça. Tu penses que les pasteurs ont beaucoup d'enfants, hein? C'est un gênant. Je reprends. Quand tu es un chien, que tu maries un poisson, à un moment donné, tu as sorti de l'eau pour respirer. Donc, quand ton foyer n'est pas adapté à qui tu es, là, c'est dehors que tu respires. Tu vas beau avoir des valeurs, ça va te rattraper. Quelqu'un va te faire tomber dehors. Tu vas dribbler 1000 balles. Il dit, il y a une balle. Oh, dribble pas. C'est un missile à tête chercheuse. Tu tournes, ça tourne. Il y a des femmes qui se sont contentées d'Adam. Elles ont laissé le cheval. Elles se sont contentées d'Adam. Mais un jour, le gardien pissait. Et il pissa. Le sauvage, il pissa. Hé, hey, regarde. Il dit, donc ça là, c'est ici. Tu penses qu'elle ne sait pas qu'elle est diplômée? Tu penses qu'elle ne sait pas qu'elle est cadre? Tu penses qu'elle ne sait pas que son mari est directeur? Mais mon ami, la compatibilité, elle sent que c'était ça là qu'il lui fallait. Tu peux pas l'arrêter, même si tu as l'argent, elle va faire. Tu me comprends? Je reprends. Oh. Tu penses comment est-ce que les femmes des hommes dignes se retrouvent dans les mains des blanchisseurs? Ou du mécanicien? Ou du boy? Réfléchissez, il y a des fois, on ne peut pas rattraper. Il y a des hommes, là, ils sont malades, ils aiment les odeurs bizarres. Donc, tu sens bon, mais pour qu'ils se rentrent dans l'excitation, il a besoin de sentir une odeur bizarre. Donc, quand tu n'es pas là, qui sent les aisselles de la servante, elle peut le tuer. Donc, il les bosse, mais il est sur la servante. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le désir? Le désir de foi est bête. Moi, j'ai connu un homme qui m'a dit, papa, je ne peux pas m'arrêter quand une femme a porté blanc. Ça a qu'à être boubou, ça a qu'à être paille, ça a qu'à être couleur. Si c'est couleur, même, elle m'a tué. Blanc, il ne supporte pas blanc. Blanc sur femme, il ne supporte pas. Il y a un autre qui dit, bonne odeur. Sent bon. Je vous dis, le désir, tu ne peux pas expliquer. Oh, ça se manifeste selon les gens. Il y a des gens qui ne sont pas possédés, mais avant que son mari la touche, elle a besoin d'un peu d'agressivité. Toi, tu arrives, tu es un homme doux, tu la caresses. Des fois, elle dit, ta maman, juste pour que tu la tapes un peu. Mais tu tapes pas. Tu tapes pas. Elle dit, il fait, mais il fait pas. Parce que tu gifles pas. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, il y a des foyers, on ne peut pas rattraper. Parce qu'on ne peut pas envoyer un homme doux à devenir violent pour plaire à quelqu'un. C'est pas possible, c'est pas dans ta nature. Tu n'auras pas la force de la taper. Attends, il y a un sauvage là, lui. Oh, oh. C'est sa nature. Donc quand elle commence à l'énerver là, il sait que c'est parce qu'elle a envie. Il se dit, mon gars, attends, je viens. Bon, couvre-toi, on va aller, chérie. Eh, c'est fini, qu'elle soit comme ça là. Mon mari là, mais je l'aime trop. Tu comprendras jamais pourquoi c'est après qu'on la botte qu'elle aime plus son mari. Aucun pasteur ne peut chasser ce démon. C'est pas un démon chassable. Les gars, écoutez-moi bien, vous vivrez. Si jamais vous essayez de mettre deux personnes incompatibles ensemble, vous allez vous tuer. L'infidélité dans le couple, motif de divorce. Ça fait rire, hein? Mais c'est vrai. Aussi vrai que je suis derrière la chair, aussi vrai que vous savez que ce que je dis est vrai. Laissez l'excès de spiritualité qui fait comme si on se donne un genre. Mon ami, c'est vrai, c'est ça qui vous tue. Bon, c'est bon, allez, je vous demande, c'est quoi, allez, amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.